tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis en fin de semaine, aujourd'hui j'ai reçu une commande de la maison du canevas. Donc je vais vous... toute petite ma commande. Donc j'ai juste ouvert là, j'ai sorti juste la facture. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est faire. Oui, non, ça c'est un autre, c'est pour refaire un bon de commande. Au cas où, alors, ouh, ça me paraît fin ça. Bon, on va voir ça. Alors, à la base, j'avais besoin de fil. Fil DMC. On ne rigole pas derrière son écran. Oui, je sais, j'ai plein de fils. J'ai acheté les 447 échevettes de Amazon. Mais voilà, j'avais besoin de fils. Alors, attends. Alors, c'est bien emballé, hein, les fils sont toujours dans un sachet à part. Oh, c'est mignon. Une petite grille gratuite. Oui, donc j'avais besoin de ces fils. Alors, parce que j'ai mis en place sur mon groupe de broderie, donc c'est broderie, tricot, crochet, couture, hein, sur mon groupe, un nouveau sale. Oui, encore. Enfin, celui-là, on se le fait un peu comme ça. Voilà. c'est pas un sale de cette année. Alors, ça vient de jardin privé. Et c'est, vous savez qu'on fait la couverture météo en cale, hein, au tricot ou au crochet. Et je suis tombée sur des salles de jardin privé qui faisaient des broderies météo. Je dis, ouh, c'est bien ça. Et du coup, j'ai regardé. Bon, celui de pour cette année, bon, il plaît à certaines de mon groupe, hein, mais moi non, il me plaît pas. Enfin, il est beau, hein, voilà. Mais je suis pas attirée par celui-là. C'est plein de petits bonhommes. Et alors, un bras, c'est un jour, l'autre bras, c'est le deuxième jour, la casquette, c'est le troisième jour. Là... non, ça me plaisait pas. Donc, j'ai repris celui de l'année dernière. Donc, celui de 2022, où là, c'est toutes des fleurs. C'est toutes des petites fleurs en rang, comme ça. Il y a quelques petits dessins. Je vais vous mettre une photo. Et donc, une fleur correspond à une semaine. Et chaque pétale de la fleur correspond à un jour. Voilà. Donc, tous les jours, en plus des petits motifs et de la queue de chaque fleur, il y aura un pétale, il y a un pétale à broder. Alors, par contre, moi j'aime bien que ça commence le 1er janvier. On est demain, on est 31 février, n'importe quoi, ça n'existe pas, le 31 janvier. Mais comme on a nos températures de la couverture météo, on peut rattraper un peu notre retard. Enfin, notre retard. On peut rattraper notre mois de janvier. Et pour celles qui n'ont pas fait la couverture météo et qui font le sale, il existe un site internet de météo où il y a les archives des températures par ville. Voilà, vous mettez votre ville et vous avez toutes les archives des températures. Donc, voilà, il me fallait donc, malgré que j'en ai, des fils de couleur, donc des DMC. Alors, j'ai pas fait de changement, j'ai vraiment suivi les couleurs qui sont mises sur le site internet de Jardin Privé. J'ai pas cherché d'autres couleurs, j'ai vraiment pris ce qu'ils préconisaient. Et puis, je vais faire comme ça, voilà. Alors, en tout, je crois que j'en ai 23. Alors, je vais essayer de vous... bon, je vais peut-être pas, j'arriverai peut-être pas à vous les mettre température par température, parce que je les ai pas... j'ai pas pris ma feuille avec moi, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Alors, on a un noir. Voilà. Ça, c'est un gris bleu. Un autre
autre gris bleu, mais vous voyez, beaucoup plus bleu. Bon, je vous les montre comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu plus clair, que un peu plus foncé que ce que vous voyez. Bon, je vous dis, hein, ils ne sont pas... sont pas dans l'ordre là, mais c'est pas... Si vous allez sur le site internet, je vous mettrai le lien, vous verrez toutes les couleurs dont on a besoin. Donc bien sûr, il y a des couleurs qui sont pour en mettre les températures sur les pétales, et il y a des couleurs aussi pour faire les petits personnages, les petits... il y a une petite brouette, il y a, voilà, il y a les fils pour faire ça aussi. Ça c'est le... ah bah oui, c'est le rouge du diable, comme je l'appelle, le 666. Voilà, voilà. Encore deux. Et voilà le dernier. Donc, vous voyez, c'est déjà une belle palette de couleurs. Je pense que ça va être très joli. Voilà, vous voyez. Hop, hop, hop. Et bah, du coup, j'ai eu une petite grille gratuite. Bon, oh, elle est mignonne. Voilà. Gentil. Alors, je me suis racheté également des aiguilles à broder. Alors, c'est pareil, vous l'avez déjà vu hein, dans mes unboxings. J'ai déjà pris plusieurs fois des aiguilles. Mais là, ce sont des DMC. Voilà. Donc, hop, ça brille, voilà, comme ça, ça brille moins. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a 10 dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah non, il y en a 16, on dirait pas comme ça, j'ai bien compté, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 16, c'est ça. Alors, ce sont des numéros 7. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose... non, de... mon acier nickelé. Nickelé. Ah. Ouais. Alors... vous allez savoir pourquoi je rigole. Bon, DMC, c'est une société française. Mais ils font fabriquer leurs aiguilles en Chine. Alors, Made in China. Alors, ça va flouter. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Fabriqué en Chine. Bon. Et les fils, par contre, j'espère qu'ils sont encore fabriqués en France. Hein. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose? C'est écrit trop petit, petit, petit. Ah, là, fabriqué. En France, oui. Le fil, c'est bien fabriqué en France. Heureusement. Mais alors, il fallait le voir, c'est plutôt petit. Et j'ai pris deux petites toiles. Bon, j'ai pris parce que j'avais envie de les prendre. J'ai rien prévu de particulier avec. Par contre, je vois qu'il y en a une des. Alors, il y en a une que c'est de l'étamine. Et pourtant, on dirait aussi de l'étamine, celui-là. Mais ils me disent que c'est du lin. Bon. C'est pas grave, bon, de toute façon, c'est parce que le lin c'est plus compliqué à broder pour moi. Alors attendez, je cherche, est-ce qu'il y a une ouverture sur leur sachet? Mais elle me paraît très 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 fine cette toile. Ah ouais, je vous vois à travers par rapport à celle que j'ai eue chez Univers Broderie. Ça me paraît extrêmement fin. Voilà. Alors, ça, c'est celle... Alors, là, ils me disent que c'est du lin. Et je pense les croire, oui, parce que je vois le tissage. Mais ça me paraît super fin, là.
Alors voilà. Voyez, ouais, si c'est du lin, ça. C'est bien du lin. Alors, celle-là, donc c'est une toile de lin. Vous voyez, elle n'est pas grande, hein. Je vais mesurer pour voir. Normalement, c'est des coupons de 34 sur 25. Alors, 36. Bon, donc c'est bien. Sur 26 et demi pour celui-là. Alors, celui-ci, je vais le laisser comme ça en deux, vous verrez mieux. Vous voyez, il y a des petits reflets. C'est une toile de lin 12 fils, 12,6 en fil. C'est une Belfast Country Crème Zega. Zega, Zega, Zega. Bon, enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et la deuxième. Alors, j'ai pris des petits coupons exprès, justement, pour ne pas prendre un grand coupon et être déçu. Mais bon, on verra l'usage, ce que ça donne. Je trouverai bien quelque chose à faire avec, hein, de toute façon. Ouais, là, on le sent, c'est. Là, c'est de l'étamine. Donc, c'est de la 12,6 aussi. Là, voilà. Vous voyez. Toute marbrée marron. Elle est trop, trop belle. Donc, elle est un petit peu plus épaisse que le lin. Ouais. Le lin, j'arrive à vous. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mes mains. Vous voyez, on voit bien à travers. Là, en plus, c'est marron, donc. Mais là, non, on voit moins. Vous voyez. Alors, celle-ci, donc, je vous redis. Ah non, je ne vous l'ai pas encore dit. C'est donc une toile étamine Murano, marron, vintage, Zouéga. Zouéga. Pareil, en 12,6 fils. Voilà. Donc là, sans la loupe, je ne brode pas. Hein. Je vous rassure, moi, avec cette taille-là de trame, je ne brode pas sans ma loupe. Voilà. Donc je verrai ce que je vais en faire. Et puis s'ils vont bien broder. Là, ben, du coup, je suis un tout petit peu déçue que c'est du lin. C'est pas que j'aime pas le lin. Hein. C'est parce que j'ai peur de ne plus savoir broder le lin à cause de mes yeux. Mais bon, on verra bien. On verra ce que ça donnera. Donc voilà, je vous ai présenté donc mes deux toiles. Voilà, une crème et une marron. Mes aiguilles. Et je ne vous ai pas donné les prix. Bah alors, Edith. Alors, j'ai tout eu à 50%. Donc c'est déjà bien. Sauf les aiguilles, elles étaient à 30%. Alors, celle-ci, la marron. Le coupon, alors normalement il fait 7,50 € et je l'ai eu à 3,75 €. Voilà. Celui-ci, donc le lin, est à 9,80 €. Donc c'est des coupons de 34,25 €. Hein. Et je l'ai eu à 50%, donc j'ai eu à 4,90 €. Les aiguilles. Normalement, elles sont à 4,50 €, mais je les ai eues à 3,15 €. Et les échevettes, alors à la base, pour les 23 échevettes, j'en avais pour 40,25 €, mais je les ai eues à 50%, soit 20,24 €. Voilà. Donc voilà, je fais des petites affaires. Ben, c'est les soldes, hein, c'est le moment d'en profiter, de toute façon. Et comme maintenant je suis repartie dans ma politique de faire de points comptés, bon, je vais finir mes toiles qui sont commencées en estampé, hein, je ne vais pas les abandonner. Mais maintenant, là, je me suis réacheté, ben, je vous l'ai déjà dit, je me suis acheté des grilles de créateurs. Là, j'en ai une ou deux là, qui me font de l'œil. On attendra. Il y en a une que j'aimerais bien faire, c'est de jardin privé. C'est un sale aussi. C'est le jardin fleuri ou un truc comme ça. Je vous mets la photo. Voilà. Je sais qu'il y a Elisa qui le fait en ce moment. Mais bon, là, pour ce mois-ci, pour moi, c'est bon là. La voiture, ceci, c'est bon, hein. Donc, ce mois, de toute façon, le mois est fini.
Donc, je verrai peut-être par la suite pour prendre tout au moins la grille. Et comme j'ai déjà des toiles, et je verrai après pour les fils si je fais avec les fils d'Amazon ou si je reprends des fils DMC pendant que c'est en solde aussi. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, que j'ai conscience hein, comment, que la plupart des kits que l'on reçoit des boutiques étrangères, ce sont à 90%, 95%, ben, ce sont des copies. Voilà. Bon, moi, je ne brode pas beaucoup. Bon, je les ai parce qu'on me les donne en partenariat. Donc, je les ai parce qu'on me les donne. Mais c'est vrai que par moi-même, je ne pense pas que j'irai les acheter. Voilà. Ça m'est peut-être déjà arrivé d'en acheter une ou deux il y a un moment. Mais à l'époque où je les avais achetés, j'avais pas la conscience de dire, ouais, il y a les créateurs, tout ça. Voilà. Et là, je sais pas, c'est mes 60 ans qui arrivent, qui m'ont fait un peu. Donc, ce qui fait que je pense qu'il y aura aussi moins d'unboxing. Enfin, je dis pas qu'il n'y en aura plus. Puisque de toute façon, je vais toujours vous faire des concours avec ce que je reçois. D'ailleurs, je dois vous en préparer un là bientôt. Mais moi, à côté, je vais acheter, continuer, parce que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours acheté quand même des créations des créateurs. Voilà. J'ai plusieurs toiles, plusieurs grilles hein, de créateurs déjà que j'ai déjà brodé, que j'ai pas encore brodé, etc. Mais je veux vraiment partir voilà, de ce côté-là. Bon, je sais que ces boutiques-là, c'est aussi pratique. On en a parlé sur le groupe pour les personnes qui n'ont pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de budget hein, non plus, hein, malgré que des fois vous me voyez faire des achats, tout ça. Mais bon, des fois je fais des achats, mais bon, il y a autre chose que j'achèterai pas du coup. Voilà. Nous on n'est pas on roule pas sur l'or du tout hein. Mon mari est à la retraite mais avec le minimum, alors il est minimum mais en dessous du minimum, voilà, et moi je suis en invalidité, donc voilà, on ne roule pas sur l'or et donc j'ai quand même comme je dis, on en a parlé sur le groupe, je sais que ces petites boutiques là permettent à des personnes qui n'ont pas les moyens aussi d'acheter des fournitures, voilà, pour leur loisir, voilà. Bon, je sais quand même qu'il y a quand même certains créateurs qui ont vendu aussi leur création hein, à ces boutiques-là hein. Voilà, il y a des créateurs qui ont vendu leur création aussi à des boutiques chinoises, mais bon, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc maintenant il faut que je commence cette broderie. J'ai commencé ma broderie Lily Point. J'ai une broderie de la créatrice Mia ukrainienne qui est en cours aussi. Mais là je vais vous faire un petit flustube. Alors je vais essayer de vous faire ça cette semaine. Je dis que je vais essayer parce que bon, aujourd'hui j'avais rendez-vous avec mon ORL. Demain, on a des choses à faire avec Chouchou dans la maison. Mercredi, j'ai rendez-vous avec l'angiologue. Samedi, j'ai rendez-vous avec le dentiste. Bah oui, hein. De toute façon, vous le voyez, hein, quand je parle, j'ai des soucis hein, avec mes dents. Et après, je vais dire, j'ai des belles dents. Si j'arrive à les tenir. En haut, ça va, mais en bas, je n'ai jamais su tenir mes appareils en bas. Donc là, on verra. J'ai encore un rendez-vous de médecin, bah, mon médecin traitant, et je dois encore faire venir l'infirmière pour faire les prises de sang. Donc ça va être une semaine un peu bousculée. Donc je vais essayer de faire au mieux, de vous préparer le concours, de vous préparer le Floustube, et je dois aussi vous préparer le podcast tricot. Voilà, donc tout ça va me prendre du temps. Et puis je suis en train de répondre à tous vos commentaires
hyper nombreux. J'en suis super heureuse. Je vous remercie énormément. Bon, je vais, vous inquiétez pas, hein, là, j'ai vu, j'avais un retard de 15 jours sur les commentaires. Donc, mais vous inquiétez pas, je vais répondre à tout le monde. Je dois aussi vous préparer la vidéo FAQ, donc la foire aux questions. Voilà, j'ai déjà noté toutes vos questions. Bon, il y en a qui sont en double, donc je vais faire le tri, mais je me suis fait une liste complète de toutes les questions. Maintenant, il faut que je les trie, que je les mets un peu dans l'ordre, parce que je ne vais pas vous parler en... Je vais essayer de d'arranger ces... pas d'arranger vos questions. Je veux dire, on va faire diamond painting, on va faire broderie, on va faire perso, on va faire, voilà. Il y a des questions un peu sur tout, et donc je vais faire des chapitres pour vous répondre au mieux à toutes ces questions. Si vous en avez encore des questions, vous pouvez, hein, la vidéo est là, hein, je vous remettrai le lien sur le petit i si j'oublie pas, mais sinon vous allez 4-5 jours en arrière, vous verrez ma vidéo. Bon, ben voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dirai ce que j'ai fait avec ces deux toiles-là. Je vous dirai si je m'en suis sortie avec le lin, parce que ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas brodé sur du lin. Mais bon, je devrais certainement... C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est juste la vue qui déconne. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve les liens de ce que je viens de vous présenter en barre d'infos. Et bien sûr, profitez-en, c'est les soldes. C'est le moment de faire son petit plein pour justement acheter à moindre coût quand même. Voilà. Allez, plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses. Voilà, j'ai encore mis ma phrase à l'envers. Bisous, bisous.